Bonjour à tous et bienvenue au nouvel épisode de l'année tricot. Euh, moi c'est Anna et euh, vous pouvez nous retrouver, la boutique et moi, et nos petites aventures sur l'année tricot euh, sur Instagram et maintenant aussi sur Patreon. Euh, pareil, l'année tricot euh, tout attaché. Nous sommes jeudi 19 mars, oui, parce que c'est la... Le, la fête du Père en Espagne, donc c'est le, le 19 mars. Et, euh, et voilà, et nous sommes euh, au jour 4 du confinement national et presque inter enfin, européen. Euh, je vais faire un épisode normal euh, de, pour la première partie, parce que je pense que c'est aussi... Un petit moment pour tous de je vais arrêter de crier parce que maintenant que j'ai un micro <laughs> j'ai pas besoin de <laughs> que tout le bâtiment euh, sache que je tourne un podcast alors comme on est tous à la maison vous allez peut-être entendre euh, mes voisins qui je sais pas ce qu'ils font dans leur studio on dirait qu'ils font ils jouent au foot ou enfin et parfois on entend comme si vraiment mais bon euh, ce que j'allais dire donc c'est je vais faire un épisode de podcast normal parce que je pense qu'on a tous besoin d'un bol d'air frais, de penser à autre chose, d'être distrait par, euh, par d'autres choses qui ne soient pas constamment la même le même sujet. Donc je vais faire un, un épisode totalement normal. Par contre, sur la fin, je vais vous donner des nouvelles sur les mesures prises pour ma part pour euh, la boutique. Et je vais aussi toucher un autre sujet qui n'a rien à voir avec la situation actuelle la situation actuelle, mais qui a à voir avec... Euh... Alors attendez, je regarde si c'est pas... Ah non, c'est bon. Pardon, excusez-moi pour tout le mouvement et tout ça, mais je pensais que le micro n'était pas, pas attaché. Désolée. Euh, donc je disais que je vais faire une partie normale et une deuxième partie, euh, je mettrai sur les la barre d'informations euh, la minute. Euh, donc une première partie sur la situation actuelle de la boutique à cause de la situation actuelle et aussi euh, d'une chose euh, pas très agréable euh, qui m'est arrivée euh, au dernier épisode de podcast et du coup j'ai envie de vous en parler parce que pour moi c'est important et que ça m'a pas du tout plu donc euh, voilà je souhaitais aussi partager ça avec vous euh, rien de grave hein, mais bon voilà donc euh, passons à au podcast habituel, euh, donc euh, je pense que c'est une période où pas mal de gens vont peut-être découvrir des podcasts nouveaux. Donc je me présente un tout petit peu. Je m'appelle Anna, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis propriétaire d'une boutique de laine agronome et en ligne aussi. Et voilà, j'ai 28 ans, euh, je suis franco-espagnole, donc j'ai passé euh, la plus grande partie de ma vie en Espagne. J'ai fait mes études en Espagne, mes parents et ma famille habitant en Espagne, euh, sauf pour ma famille maternelle qui habite en France, parce que ma mère est française. Donc euh, ma mère, euh, ça fait maintenant euh, pff, plus de 30 ans qu'elle habite en Espagne, elle est presque plus espagnole maintenant que française. Mais moi, pour des études de littérature, je suis venue euh, faire des études en France il y a... 5 ans, presque 6 ans bientôt. Et euh, et voilà, et du coup, on est resté en France, principalement parce que mon compagnon, qui est espagnol, est tombé amoureux de Grenoble. Et du coup, c'est pour ça qu'on est resté on est resté à Grenoble. Moi j'ai quitté mes études euh, de littérature euh, et tout ça. Et j'ai décidé que j'avais envie de, de faire autre chose. Et j'ai euh, par le hasard de la vie quelque part, mais aussi enfin... Euh, la boutique, c'était vraiment un hasard pour le coup. Euh, j'ai ouvert, ouvert une boutique de laine et une boutique en ligne, et maintenant ça va faire presque trois ans. Euh, ça fera trois ans le 1er juillet euh, que j'ai euh, créé et que j'ai lana et tricot. donc, voilà un peu pour le parcours de vie euh, personnel. Euh, J'espère sincèrement que le micro va marcher. C'est un peu un test. Je sais qu'avant euh, le son était. J'enregistre Je, avec mon téléphone. Donc le son n'était pas tout le temps selon les endroits, un peu écho. Si j'étais trop éloignée, ce n'était pas très bon. Quand on le mettait sur les téléphones, ça allait mieux. Mais dès qu'on va sur une télé ou un ordi. Donc j'essaye de, de m'améliorer. Donc j'ai un nouveau micro euh, cravate là. Mais. Tout à l'heure, j'ai enregistré, j'ai fait des tests, ça marcher mais puis, puis ça marchait, mais avec du son. J'espère vraiment que ça, ça, va, ça va marcher. Et comme vous le voyez, euh, si vous me suivez et que vous regardez le podcast depuis longtemps, je suis bon, forcément chez moi. <laughs> je ne suis pas à la boutique. Et, euh, et voilà. Et j'ai cherché un petit lieu sympa de, la, de chez moi pour pouvoir enregistrer. Et j'ai trouvé que cet endroit était quand même pas mal. J'ai pas beaucoup de tableaux, ou sinon ils sont trop pour que je puisse enregistrer et avoir un, un joli background derrière. Enfin, background, un joli, une jolie présentation. Et là, je me suis dit, avec les plantes, bah, ça donnera au moins un petit côté, euh, un petit côté sympa. Donc euh, voilà, allez, bah, c'est parti. Euh, je porte. Je porte mon Wool and Honey de André amory C'est un patron que j'ai tricoté. L'année dernière, vers la même période, euh, on est au mois de mars, donc euh, oui, ça devait être ça. Euh, on pourra regarder sur ma fiche Ravelry. C'est un patron que je mets exclusivement à la fin de l'hiver et printemps parce qu'il est manche trois quarts et sinon j'ai froid moi avec les manches trois quarts. Mais c'est de la laine euh, pure laine, fingering, c'est la loft excusez-moi. C'est la loft de Brooklyn Twin dans le coloris je me souviens pas mais c'est sur mes fiches ravelry donc je mets toujours sur la barre de description les notes du podcast et les notes du podcast pour mes patrons c'est toujours mes fiches ravelry donc vous avez euh, le nom des chevaux, la taille d'aiguille et le coloris et tout ce que j'ai utilisé donc c'est un patron qui est sans couture bottom, euh, pardon, top down donc on commence par ce jeu. magnifique yoke en, en point euh, c'est des mailles glissées en fait des doublés Très très facile à faire. Je me souviens que j'avais adoré faire le yoke. J'avais mis un peu plus de temps à le finir. Mais franchement c'est un de mes pulls préférés. Je le mets pas tant que ça. Parce que manche trois quarts. Mais j'aime beaucoup ce patron avec des manches trois quarts. Donc je veux pas les rallonger pour pouvoir le porter en hiver. En plus c'est un pull fingering. Et vous savez que moi les pulls fingering je... c'est pas suffisant pour moi. Moi il me faut au moins de la décart en hiver. Et du coup celui-là il est parfait pour cette saison-là. Donc je vais essayer. Alors je suis pas assise sur une chaise. Je suis par non, par terre mais enfin sur un coussin mais vous voyez il est très ample et il est un peu je dirais pas cropped mais il est il est plutôt court et vraiment je l'aime beaucoup j'aime beaucoup la couleur euh, voilà c'est comme je vous dis un de mes pulls préférés euh, de ma grande collection de pulls maintenant et gilets euh, donc voilà ça c'est pour ce que je porte ensuite pour les projets finis j'en ai qu'un seul euh, par contre, j'ai un, deux, trois, quatre projets en cours et un projet filage à vous montrer. Je n'ai pas de couture, j'ai pas eu encore le temps de faire de la couture, mais on a commencé à faire des masques, euh, des masques en tissu avec, en suivant le patron du CHU de Grenoble et on va en faire deux ou trois par jour parce qu'il y a des collègues de mon compagnon qui en veulent, euh, donc voilà, on va faire ça. Donc pour le, pro le, le premier et seul projet fini pour cette semaine. Euh, et je dis cette semaine parce que, profitant du, de la, du confinement, je vais essayer d'enregistrer une fois par semaine actuellement. Euh, voilà, comme ça, moi, je suis distraite pendant que je le fais et vous, vous serez distrait par, euh, par le podcast. Donc euh, voilà, c'est du win-win pour tout le monde. Donc vous l'avez suivi certainement sur les réseaux. J'ai fini mon pull Sailor Moon. Oups. voici. Voilà. Donc je vous le montre et après je vous... Euh, je vous en parle. Donc ce pull, qui n'est pas vraiment un pull, c'est un t-shirt, puisqu'il <laughs> n'y pas de manche, euh, je l'ai tricoté avec des laines filées et mains. La plus foncée, c'était un, une euh, mèche que j'avais achetée chez Blaze, euh, qui est une teinturière euh, indépendante euh, anglaise mais la mèche n'était pas teinte euh, à la main C'était une mèche qui avait déjà une mèche préparée, euh, j'en ai pas là en... Non j'ai pas de mèche pour vous, vous montrer C'est des mèches qui sont faites en filature Et du coup ils mettent différentes matières avec différentes couleurs et du coup ça fait euh, Ça fait ce genre d'effet de, en fait Là vous avez tout, toute cette couleur là, ça vient de la mèche de Contessa Blaze Donc là vous voyez sur une plus grande surface le type de deux choses que ça fait, j'avais fait un retour Navajo, donc un retour Navajo c'est comme si on faisait une chaînette au cro une, gros, une longue chaînette au crochet avec le fil qu'on a filé, et du coup ça le transforme en un trois brins. On passe d'avoir un seul brin retordu à trois brins. À trois brins, pardon, j'essaye de parler plus lentement Et du coup la verte bleue turquoise, c'est un fil que j'avais fait en trois brins aussi, mais je l'avais fait euh, en prenant trois brins. Donc trois bobines séparées que j'avais filées dans une même bobine en mettant trois brins en même temps. Donc les deux sont et trois brins, trois brins. Par contre la plus foncée était un tout petit peu plus fine. La plus, la, disons qu'elle était dans la gamme fingering euh, light fingering fingering et la turquoise était plutôt dans la gamme fingering sport. J'avais 100 grammes de chaque, euh, de chaque. Euh, j'avais un écheveau de 100 grammes pour chaque. Euh, pour chaque couleur, la couleur, euh, je vous parle. La couleur turquoise c'est du Baby Alpaga Soit Tu Ça teint par la Nanouchette Factory Mais qu'on avait surteint avec mon amie Julie, enfin c'était Julie qui avait surteint Parce que je trouvais que la couleur était trop claire et, et ça me plaisait pas vraiment Donc du coup Julie me l'a surteint pour avoir euh, quelque chose d'un tout petit peu plus soutenu Dans les mêmes tons que ce qu'il y avait déjà mais plus soutenu donc, euh, donc voilà, donc, euh, quand j'ai vu ces deux échevaux ensemble, j'avais vraiment envie de les, tricoter, euh, de les tricoter ensemble. Et vous savez que je n'aime pas beaucoup tricoter des châles, donc je me suis plutôt rabattue sur un projet pull. Sauf que plus je tricotais, plus je me rendais compte que je n'allais pas, pas avoir assez de laine pour pouvoir faire un corps euh, suffisamment long ce qui n'est pas vraiment un problème pour moi, mais surtout que je n'allais pas, pas avoir euh, de laine pour faire les manches. Et par contre, j'aurais bien voulu avoir des manches, mais ce patron, je pense que je vais le refaire, euh, je vais le refaire et je, vous, je vais vous expliquer pourquoi. Euh, donc, je suis très, enfin, je suis ravie du top, hein, vraiment, vraiment très, très sympa. Donc, comment je vous avais expliqué euh, pour le, pour la fois dernière, je, le patron se commence par ici, par ce petit triangle. On fait des augmentations et on construit ce triangle entier, donc je vous le montre. Alors il faut que je fasse attention de ne pas toucher mon micro. Voilà, donc on construit tout ce triangle là, comme si c'était un châle. Comme quand vous tricotez un, un châle en triangle, pareil. On met les mailles en attente de ce côté-là, on tricote les mailles ici jusqu'à faire un long rectangle et on s'arrête là. On fait pareil pour l'autre, et du coup on se retrouve avec le dos et tout le devant. Et une fois qu'on a fait ça, il suffit de relever les mailles sur le dos, tac 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 tac, monter des mailles pour, euh, sous les bras, reprendre les mailles qu'on avait laissées en attente pour les deux devant, remonter des mailles pour le, pour le dessus, dessous de bras, et on a tout mis en rond pour pouvoir tricoter le corps. Et une fois qu'on fait X cm de corps, on fait la dentelle. Alors moi j'ai fait. Comme je savais que je n'allais pas avoir assez de laine, j'ai fait un corps qui est beaucoup plus court que ce qui est recommandé. Je, je me suis basée sur mon top Jane de Mademoiselle Petroni, que je fais toujours en version. Enfin, je fais toujours les deux versions que j'ai, je les ai faites en version cropped, parce que je trouve que c'est quelque chose qui me va bien et qui me correspond plus qu'un t-shirt long. Euh, et du coup, euh, j'ai fait, je crois que je dois avoir 28 cm, à peine 30 cm. Euh, donc, c'est quelque chose que je, mets, je vais mettre plutôt avec une robe, avec euh, une jupe taillote ou un pantalon taillote. Et euh, du coup, c'était parfait parce que je crois que de la turquoise, j'ai une petite boulette et de celle-ci, je dois avoir 5 grammes de reste. Donc, euh, c'était très bien. Euh, J'avais peur que la dentelle ne se voit pas, pas avec une laine chamarrée, mais finalement, ça va. Alors, euh, j'aurais peut-être préféré avoir quelque chose du nid, mais finalement, une fois bloqué, euh, SRE. Elle s'est bien mise, le point se voit suffisamment assez bien et en fait une fois portée c'est très très sympathique. Donc finalement je suis assez contente de ça. Euh, quoi dire d'autre Bon après une fois que vous avez tout fini vous relevez les mailles du col euh, que je vous le montre correctement, vous relevez les mailles du corps pour faire un petit une petite bordure comme ça sympathique. Par contre j'ai rien fait au niveau des manches parce que en le bloquant ça roulotte euh, mes... Mais... Pas trop et du coup le rouloton, le petit roulotage comme ça fait une jolie finition comme si c'était une sorte de high cord ou petite couture donc c'est suffisant. Euh, si ça avait rouloté, rouloté plus que ça j'aurais peut-être fait un truc enfin ou la même chose que sur le col mais finalement euh, je trouve que c'est suffisant. Donc voilà, je le porterai euh, peut-être au prochain épisode, comme ça vous voyez comment il est porté, mais il est vraiment très bien. J'avais un peu peur pour le col V parce que je ne porte jamais de col V, je n'ai pas beaucoup de poitrine, du coup je trouve que les. Enfin, pas Voilà. Donc je trouve que les col V, ça ne me va pas super bien, et quand c'est trop décolleté, bah, du coup dès que je me bouge, euh, comme il n'y a pas de volume, bah, hein, ça crée un espace et ce n'est pas très... Ni très agréable ni très pratique. Du coup, c'est vrai que je porte beaucoup plus des cols, euh, des cols euh, dire, près du cou ou des cols ronds. Mais celle-ci, ça va, elle, elle descend pas très bas, donc du coup, je, je suis pas gênée par ça. Et voilà, c'est vraiment, vraiment très sympathique, très rapide à faire, la construction est vraiment très sympa. Et c'est pour ça que je vais faire un, une, nouvelle, une nouvelle version avec deux fils fingering. Euh, classique pour cette fois-ci parce que j'aime tellement la construction elle est tellement sympa à tricoter et je veux tellement une version à manches trois quarts, qui est la version présentée euh, par la créatrice que je pense que je vais m'en faire un euh, pour le printemps pour maintenant euh, l'été et l'automne prochain donc euh, c'est le pull Sailor Moon à la base il est tricoté avec deux échelons de... enfin avec euh, Malabrigo Sock mais moi je pense bien que dans mon stock je, peux... je vais pouvoir trouver quelque chose euh qui fasse de jolies rayures comme ça, quitte même à le tricoter uni et juste faire la dentelle dans un autre truc. Mais ben voilà, je pense que c'est quelque chose que j'aimerais vraiment tricoter euh, bientôt. Très joli drapé parce qu'il y a quand même un, un joli pourcentage de soie. Par contre, il picote un peu parce que l'alpaga, le baby alpaga qui est à l'intérieur, je pense pas que ce soit du baby alpaga, c'est plutôt de l'alpaga court parce qu'il y a de très <laughs> je vous montre ça comme si je vous montrais quelque chose mais vous les voir, verrez pas mais il y a de très longs poils d'alpaga et du coup comme c'est un t-shirt j'ai je... tendance à vouloir le porter plutôt euh, sans rien en... sans rien en dessous juste un truc et, et par moments ça picote un peu hein. mais bon pourtant les laines rustiques les laines de mouton rustiques ne me grattent absolument pas ni le moir le mohair de qualité. <laughs> mais dès qu'il y a du baby, de, de l'alpaga, des poils d'alpaga ou de poils de mohair qui sont des, des gros poils de du dos de la bête et tout ça, qui sont des poils qui sont beaucoup plus durs, et eh bien tout de suite, c'est je les sens, mais, mais tout de suite. Mais bon, c'est la sensibilité un peu de chacun. C'est vrai que ça va passer. Je pense qu'au fur et à mesure, plus je le porterai, plus ces poils-là vont tomber ou coup, se couper, etc. Et vous voyez, c'est vraiment de, poils, de gros poils longs d'Alpaga. Euh, je pense que plus je vais le porter tout ça, plus ils vont partir et, et du coup euh, moins ça me gênera. Mais sinon très très sympa, ce Sailor Moon que je vous recommande vraiment. Euh, et que si vous n'aimez pas les rayures, je, il peut très bien se faire en uni, ça peut être très élégant aussi. Voilà, donc euh, le seul projet fini, mais euh, pour le coup, plein de nouveaux projets à vous montrer. Le premier, on va aller dans l'ordre. Celui-là, je vous avais déjà montré, mais je vous l'avais montré. Il était à peine monté euh, quelques ronds, C'est mon t-shirt euh, de, Just euh, de Justina Lorkowska, le ST. C'est un t-shirt d'été que je fais avec un nouveau fil que je veux rentrer en boutique. Enfin, que j'allais rentrer en boutique pour le nitit avant que toute cette situation se déclenche sérieusement, mais que bon, voilà. Bah, euh la vie continue de toute façon euh, qu'on continue vers une, une chose ou vers une autre, on verra bien mais du coup, ce t-shirt est, je vais, je le fais dans un, dans un lin euh, recyclé une viscose de lin recyclé euh, de Erika Knight qui s'appelle Studio Linen donc c'est celui-ci, je ne l'ai pas encore en boutique si, vous si ça vous intéresse et ben on peut, on peut noter pour des précommandes mais bon le futur est. Moi, ouais, comme je vous dis, c'est pas. Si tout se passe bien, il sera en boutique. Voilà. <laughs> c'est le coloris Velvet. Et il est très agréable à tricoter. Peut-être un peu lourd. Je ne sais pas si ce sera aussi frais que du chanvre classique ou du lin classique. Quand même... il, y a peut il y a quand même un petit côté. Cost... Enfin, pas costaud, mais un peu plus lourd, un peu plus coton. Mais je pense que ce sera plus frais que le coton mais peut-être un peu moins frais que le lin normal ou que type Antigone ou Alfama ou le chanvre classique que j'ai en boutique de langue. à voir, après c'est à porter. Donc ce patron est très agréable à tricoter. Vous avez un... alors comment je vais vous le montrer <laughs> J'y arrive. Voilà, vous avez un panneau de dentelle sur chaque épaule et sur chaque manche, donc ça. C'est de la dentelle et en même temps il y a aussi des torsades parce que si vous regardez ici, vous avez aussi des torsades là et là que je n'avais pas vu mais ça me gêne pas du tout c'était très amusant à faire. Donc ce patron, vous montez les mailles pour le dos, vous tricotez en à plat. C'est très curieux parce qu'on tricote à plat, après on rond et après à plat à nouveau. On tricote à plat euh, jusqu'à arriver, enfin pour faire des augmentations aussi sur le devant. Une fois qu'on a fait euh, le nombre de rangs à plat, elle nous fait mettre en rond. Alors, est-ce que je vais me souvenir Oui, c'est ça. Elle nous fait tricoter en rond jusqu'à ce qu'on mette les mailles en attente ici pour les manches. Vous voyez que là, mes manches sont en attente. Moi, je mets toujours en attente sur un. Bon, ça, ça, c'est embrouillé. En je mets toujours en attente sur un fil. Euh, sur un fil, ça concrètement, c'est les fils dans les pelotes Jawol de chaussettes de langue. Il y a des petites bobines de renfort, et moi parfois je les utilise pas complètement ou pas du tout. Donc du coup, j'utilise le petit fil de renfort des bobines pour euh, mettre en attente. Voilà, la petite astuce. Donc je mets toujours mes mailles en attente sur un sur un fil. Et là, elle nous fait mettre les, ma les mailles en attente. Donc on tricote en rond jusqu'ici jusqu'à ce qu'on mette en attente les mailles après on tricote à plat le devant et le dos séparément et une fois qu'on a atteint le nombre de centimètres qu'elle nous indique pour le dos et le devant on remet en rond pour tricoter le corps donc là euh, donc vous voyez j'ai bien avancé je fais la plus petite taille en aiguille 3,75 donc là j'ai bien avancé j'ai fait tout le, tout le haut du t-shirt elle vous fait faire des diminutions juste après ici et un rang de, euh, je ne sais pas si ça se voit, ici, un rang de mailles en maille verre, en fait, pour donner une certaine stabilité, certainement, au t-shirt. Ce qui est pas mal et très facile à faire. Enfin, ça rythme bien, ça, on ne l'oublie pas, etc. Donc, à l'intérieur, ça se voit plus. Vous voyez la maille, euh, maille en droit ici et je pense qu'il faut tricoter 25 cm pour après faire sur le devant et l'arrière, il y a une sorte d'arrondi. Moi je vais faire un tout petit peu moins de 25 cm parce que j'ai peur qu'après au blocage, ils se détendent vraiment beaucoup. Et à l'usage, le lin, généralement, ça se détend. Donc je vais faire 23 cm et après, je ferai les arrondis. Et comme ça, en plus, j'aime pas, comme je disais tout à l'heure avec le Sailor Moon, j'aime pas les t-shirts très longs. Et lui, il est sur les photos au moins. Prévu, il est prévu assez long, donc je pense que je vais m'arrêter à 22-23, je ne je devrais pas y être, euh, est-ce que j'ai un mètre Non, je bon, mètre n'est pas là, mais je, je suis bientôt arrivée, et du coup je ferai l'arrondi, puis après j'imagine qu'il faut relever pour les manches, et finir un peu les manches, et relever pour le col, et, euh, alors un, le col est vraiment très large, mais je pense que ça va être comme peut-être comme pour le top Jane, une fois que vous relevez les, le col, ça se resserre un tout petit peu, et, et voilà. Euh, D'ailleurs, que ce col là il n'est pas censé être serré de toute façon, il est un peu col bateau euh, avec des petites côtes euh, pour le finir. Donc voilà, c'est vraiment sinon pour le lin à tricoter, il est très agréable. Ça fait une jolie définition de, de points. Je sais pas s'il si il fait le focus, mais euh, il faut faire attention qu'il se dédouble pas parce qu'en fait, ce fil il est, je vais vous le montrer ici, il est formé par. Plein, 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 plein. En fait, il est formé par des fils qui sont aussi fins que du fil à coudre. Donc, je vais vous le dédoubler pour vous montrer. Chaque brin qui est fin est formé par trois brins. Donc, ça, c'est... Ah. Ça, c'est un seul brin. Ces seuls petits brins sont retorsés enfin retordu avec d'autres brins et ces brins, mettons que ce brin que je viens de vous montrer il est accompagné de deux autres, donc trois, et ces fils qui sont formés par trois petits fils aussi fins que du fil à coudre viennent former le fil, euh, le fil où, euh, comme ça, vous voyez Je sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit mais en gros si je le dédouble le fil... Vous voyez, il y a tous ce, ces fils-là. Bon bref, c'est pas très clair, mais il y a beaucoup beaucoup de fils à l'intérieur. Mais donc, il y a... Alors, si je les compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mais donc, il y a 15 fils qui viennent former en fait le, le fil DK, presque... Sport DK. De, de studio linen. Donc il faut pas, c'est pas un fil que vous pouvez ré tricoter, retricoter, 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 très, enfin, de nombreuses fois, parce que sinon il va se dédoubler. Et, et bon, enfin, moi j'ai pas dû détricoter peut-être deux, trois fois. Ou je, une fois je me suis trompée sur la dentelle, ça passe euh, super. Mais du coup je pense que c'est un fil qu'il faut tricoter d'un seul coup et pas trop se prendre la tête parce que sinon vous mourrez. Vous voyez, rien, il a été là, rien que dans mon sac et puis voilà. Il se, il se défait, il se défait euh, la, la torsion se défait facilement. Mais sinon, pour le reste, euh, parfait. Enfin, vous voyez, drapé très sympa. Et... Bon, je l'ai le... mis un peu en pause parce que j'ai monté d'autres projets. Mais j'ai été très mono-projet euh, dessus pendant, pendant au moins une semaine. Donc je pense qu'il sera fini. Euh, je vais essayer qu'il soit fini euh, bientôt. Peut-être pas pour la semaine prochaine, je ne fais pas de promesses. Mais il va être fini bientôt. Donc voilà, Donc, ça c'est projet numéro 1. J'ai aussi monté un nouveau. Enfin là, tous les projets maintenant sont nouveaux. Donc j'ai monté un projet euh, pff, avant le confinement. Enfin, <laughs> euh, le jour d'après sa sortie, je crois que c'était lundi dernier. Je l'ai monté lundi dernier parce qu'on est allé dans une cafette et je tricotais. Euh, je tricotais. Donc euh, j'ai monté le patron. The Olympia Twins, je pense qu'il s'appelle de Designs by Dells, quelque chose comme ça. C'est un, un créateur québécois de patron. Euh, donc, c'est une paire de chaussettes Donc je tricote dans mes, chaussettes, dans mes aiguilles à chaussettes préférées du monde entier. C'est les IAIA Style en 2.25. Elles sont en ligne sur ma boutique si, si elles vous intéressent. Elles sont vraiment très très bien. Je, je les adore. Euh, je les adore. Donc je fais toujours du Magic Loop pour mes chaussettes. Et là, je suis en train de tricoter, du coup, ces chaussettes qui sont un peu en jacquard. Je ne sais pas si vous le voyez, euh, ça fait un peu des... En fait, il y a des rayures, puis après, il y a des rayures en jacquard. Je suis en train de les tricoter avec deux fils différents. Je vous montre. Le rose uni, c'est de la mondime, de Rosa à pommard. C'est le coloris donc euh, l'amandine, hein, vous connaissez. C'est le coloris 110. C'était un gros reste euh, que j'avais, très gros reste, presque une pelote entière. Et le deuxième fil, c'est ça, c'est du fil chaussette classique, et c'est une euh, socle blanche de mon chip shop que je l'avais acheté euh, il y a longtemps, je ne sais plus exactement. Et voilà, c'est une, une soc blanche, c'est ça en fait, c'est du tissu déjà tricoté qui est teint après, et du coup, la teinturière vient appliquer de la couleur comme ça, et après, en fait, vous tirez du fil et vous tricotez. <coughs> Alors, excusez-moi, vous tirez du fil comme ça et vous tricotez. Voilà, donc moi j'avais. Moi j'en avais... avais déjà fait... défait une. Et je l'avais lavé. Pour enlever en fait. Un peu de... du côté. Euh... Enfin de ça quoi. Du froissé. Et... Mais il me en... en reste... En reste encore ça. C'est tellement beau. Mais bon. Oui. Donc ça c'était une seule blanque de mon chip shop. Que j'ai depuis très longtemps. Et du coup je me suis dit. Tiens ça et ça. Ça va super bien. Machin et tout. Sauf que. Non seulement je ne suis pas hyper ravie par le résultat visuel, mais je l'ai essayé ce matin et en fait ça rentre, mais ça rentre, euh, ça rentre comme ça en fait. Et du coup pour avoir une chaussette qui a un peu de jacquard, un peu de motif, et que le motif soit totalement distendu, ça ne me plaît pas. Donc qu'est-ce que je vais faire Je vais détricoter tout simplement jusqu'ici. Et je vais faire un patron de chaussettes de rayure normale. Parce que ça va m'éviter d'avoir du jacquard tous les... Vous voyez, si on regarde l'envers de la chaussette, il y a quand même quelques rangs. Ces rangs-là euh, sont en jacquard. Et c'est ça qui fait que ma chaussette est quand même plus, euh, plus serrée. Donc, euh, c'est pas grave. Euh, je ferai cette chaussette-là parce que le patron me prévient vraiment beaucoup. Mais avec deux chaussettes plus unies et peut-être en, peut en 2,5 au, au lieu de 2,25. Excusez-moi, mais ma gorge se sèche euh, très rapidement quand je parle euh, longtemps. Et en ce moment, je fais que parler euh, par téléphone, par Skype. <laughs> Donc euh, voilà, j'aime beaucoup le patron, j'aime beaucoup mon association de laine, mais je trouve que le patron et l'association de laine ne se marient pas très bien, et qu'il faudrait que je le tricote soit en une taille plus grande, soit en 2,5 pour euh, Qu'il m'aille vraiment, donc je vais là, je vais le faire maintenant. Je vais le détricoter et je ferai la même chose, mais en rayure normale. Donc ça, ça cassera bien le rythme de rayure. On verra mieux les couleurs, et, euh, et du coup, je pourrais les porter plus facilement parce que c'est vraiment jacquard. Les quelques ronds de jacquard qu'il y a qui permettent pas vraiment un côté élastique. Donc, ici, ça c'est l'envers. Vous voyez que les couleurs, les rayures ne. <laughs> ne coïncide pas. Ici, j'ai essayé de faire ce qu'ils recommandent euh, que je fais d'habitude pour les rayures, mais je trouvais que c'était vraiment pas très beau. Là, le jogless, euh, les jogless stripes. Et du coup, après, j'ai décidé de faire normal et de pas faire le. Du coup, ça, 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 la chaussette viendrait porter comme ça en fait. Donc ça, sur le devant, on verrait pas la démarcation et la démarcation reste sur l'envers et sous la plante du pied. C'est la première fois que je tricote un, un patron de Bydells Designs Bydells, je sais plus exactement comment, comment il s'appelle. Il euh, y a une chose qui ne m'a pas énormément plu et c'est que pour les le, les aspects techniques, alors je peux comprendre sa logique et c'est une bonne logique, mais moi personnellement, j'aime pas beaucoup cette logique tous les aspects techniques comme par exemple vous renvoyez à euh, ici par exemple il vous renvoie au lien pour euh, pour apprendre à faire le le les rayures qui sont enfin la correction de rayures en fait euh, ou des techniques des points techniques comme ça au lieu de le mettre sur le patron et mettre un lien il vous dit d'aller sur son site à la page dédiée du patron pour retrouver les techniques qui sont reliées au patron alors c'est très bien parce que sur son site comme ça, il recense, bon, il met patron, euh, machin chouette, et du coup les techniques, et vous retrouvez les techniques de ce patron. Donc c'est très bien. Mais d'avoir de un patron sous les yeux et de devoir aller sur un site pour trouver le patron, etc... Ben, c'est pas très confortable. Après, euh, je vous avoue que j'ai pas regardé le patron en détail. Peut-être qu'il l'a mis en dessous, enfin, peut-être que sur le patron, ça y est. Mais j'ai trouvé que c'était trop d'étapes pour, en fait, arriver à, à quelque chose de technique, enfin, une technique concrète du patron. Voilà, c'était juste un côté... C'est pas vraiment une critique, hein, c'est pas vraiment que le patron n'en a pas plu. Au contraire, il est très bien rédigé, ils sont très jolis... Euh... Physiquement, la présentation et tout, c'est très soigné, c'est très sympa. Mais j'ai trouvé que, oui, c'est sympa d'avoir les techniques sous son site dans une... dans une même page. Mais sur le patron, c'est bien aussi d'avoir un lien qui aide directement à la technique. Euh... Enfin, en tout cas, pour moi, c'est pratique parce que j'ai tout le temps mon... mes patrons sur mon téléphone et du coup, il me suffit de cliquer sur le patron pour retrouver la vidéo. Je trouve que c'est quand même un peu plus pratique. Mais bon, je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh, c'était juste le détail bête hein, c'est pas vraiment vraiment sinon pour le reste le patron est très bien et je pense vraiment le faire avec euh, Délène euh, qui se marie mieux que ce que j'avais choisi voilà ça c'est pour les chaussettes en ensuite j'ai monté euh, avec Cindy on a créé un, un cal sur sa bâche ravelry euh, le conflit cal pour ces périodes un peu de confinement et toujours dans l'envie dans de créer quelque chose d'agréable, de, voilà, de pouvoir se distraire un peu de cette situation euh, surréaliste qu'on est en train de, vie, en train de vivre, euh, j'ai monté un nouveau projet. Donc j'ai monté avec des laines que j'avais dans mon stage, qui des de qui sont des laines de Martin's Slam que j'avais eu en boutique il y a au début au début euh, tout début de la boutique que j'avais mis de côté pour moi parce que c'était des échafauds qui étaient un peu seuls et qui partaient pas donc je les ai gardés pour moi en me disant bah, je trouverais bien un, pote, un patron pour les, pour, euh, pour les utiliser deux ans et demi après, j'ai trouvé. Euh, C'est de la laine des cas, Merinos Super Wesh, teinte à la main, donc par Martin's Lab, comme je vous dis. Et j'ai monté le, patron, le nouveau patron de Jennifer Steingast, le Goldwyn, qui est un, comme d'habitude elle fait, des pulls euh, top-down. Avec un gros motif de jacquard pour le yoke. Euh, voilà. Jen si vous la connaissez pas, mais ben elle fait à peu près tout le temps la même chose au niveau des patrons, mais c'est son style et on les distingue assez bien. Donc moi, j'en suis vraiment au tout début. J'ai monté le patron. Donc elle vous donne l'option de faire soit des côtes, soit un rouloté en jersey. Donc moi, j'ai choisi l'option rouloté en jersey. Euh, et on fait des rangs raccourcis, donc là vous voyez, il y a moins de bleu qu'ici, où il y a beaucoup plus de bleu pour remonter un peu la partie du dos. Et j'ai commencé le jacquard. Voilà, donc ça, c'est mes deux couleurs. Je vais le faire en bleu, jean un peu et gris. C'est les deux couleurs que j'avais. Le gris va être la couleur principale et le bleu est la couleur de contraste. En fait, ce pull, et c'est ça que j'ai bien aimé, le patron, c'est pas moi qui l'ai acheté. J'aurais pas forcément acheté ce patron-là de coup de cœur, mais c'est Patricia, coucou Patricia, je sais pas si tu regardes, euh, qui me l'a offert. Et du coup, en fait, quand j'ai vu que j'avais la laine pour le faire, que c'était le moment de le faire, parce que comme ça, voilà, nouveau projet, nouveau changement, nouveau, nouvelle vie, euh, ben, j'ai eu envie de le monter et je me suis dit, bah, why not, hein j'ai tout ce qu'il faut, il me plaît, on y va. Et en fait, comme je vous disais, le bleu est la couleur de contraste et ça, le reste du pull va être gris. Et ce que j'aime bien dans ce patron, c'est qu'on commence par la couleur de contraste et au bout d'un moment sur le jacquard, on va inverser les couleurs et du coup, la grise passera à être la couleur principale et la bleue de contraste. Et après, on tricotera tout le corps et les manches en gris. Les manches ont aussi du jacquard sur les sur la fin des manches, mais je je vais peut-être pas avoir assez de métrage pour ça. A voir, on verra. Si j'en ai assez, je fais. Sinon, je ne bah, je fais pas. Je ferai juste des côtes ou juste de la finition ou juste une partie un, du jacquard. Non, la bleue. Question de faire un rappel euh, pour ça. Donc voilà, je suis assez contente. J'ai commencé... Je ne sais plus quand est-ce qu'on a commencé le cal. Peut-être mardi. Mardi, peut-être, oui. Et du coup, j'ai bien avancé, mais maintenant je l'ai mis en pause parce que j'ai monté un nouveau projet. Donc ça, c'est un tout petit projet qui va assez vite, vous inquiétez pas, je suis pas en mode caston comme de fou. Mais en fait, j'ai lavé mes chaussons de maison. Parce que oui, c'est totalement logique de laver tes chaussons qui vont mettre trois jours à sécher alors que tu es à la maison euh, sans pouvoir sortir, bien sûr. <laughs> Mais ils étaient un peu sales et du coup j'ai profité pour les laver puisque quand je suis au travail et tout ça j'ai pas forcément tout le temps le temps et je me suis dit bon ben bah, du coup même avec mes chaussettes je porte tout le temps des chaussettes euh... alors ce que je peux vous montrer je porte tout le temps des chaussettes euh, en laine mais j'ai pas as... c'est pas assez chaud euh, pour être à la maison pieds nus et du coup je me suis dit bah, je vais me faire des chaussons feutrés parce que le chausson feutré il, bah, il tient quand même plus chaud parce que toute la laine est bien compacte, bien condensée et que le faire de feutre, du feutrage de vêtements et des trucs comme ça, c'est quelque chose qui me plaît de temps en temps. Je l'avais déjà testé pour une pochette que j'avais offert à Laura et voilà, j'avais envie d'en refaire. Ça m'amuse et voilà, donc j'ai trouvé un chausson, un chausson, un patron sur Ravelry, je vous le mettrai sous les notes et j'ai fait le premier. <laughs> Donc voilà, c'est énorme, c'est super super gros. Mais euh, comme je vais le feutrer, je vais le feutrer à ma taille. Donc si je le mets, il me va, mais il me va. J'essaie de ne pas trop bouger. Voilà, il est. Vous voyez, j'ai tout ça en reste et puis il est vraiment très large. Mais euh, feutrer en espérant que, que ça sera. Ma... Si c'est pas ma taille, bah, je les offrirai, peu importe, c'est pas très, très grave. Donc ça, j'ai tricoté ça, j'ai dû tricoter ça, tout ça hier soir et ça ce matin donc ça va assez vite c'est tricoté avec des aiguilles 7 mm et j'ai mis quatre brins de plotoulopi ensemble donc là euh, j'en ai mis en fait j'ai bobiné euh, deux disques de plotoulopi ensemble donc du coup je me retrouvais avec un fil à, à deux brins et après j'ai pris l'intérieur et l'extérieur pour, le, pour mettre quatre brins ensemble et parce que le patron est recommandé avec de la bulky euh, ou la la fausse de lopi non j'ai aussi euh, j'ai aussi de la la fausse et je pense que si ça je me suis je, je préférais cette couleur de celle que j'avais en lopi en à la fausse pardon et du coup je me suis dit si celui-ci le résultat me plaît et je suis contente j'en je ferai excusez-moi j'en ferai, Excusez ferai d'autres soit pour moi soit pour euh, d'autres personnes donc voilà donc ça c'est le premier, il faut que je fasse le deuxième et que je les feutre et, et je vous montrerai ça euh, la semaine prochaine pour voir comment euh, ça en est. Alors je les fais non seulement pour les mettre en chaussons à la maison mais surtout comme chaussons de filage. Parce que là j'ai recommencé à filer euh, plus assidûment et c'est vrai que j'ai froid aux pieds, euh, même avec des chaussettes en laine j'ai froid aux pieds. Donc j'avais envie d'avoir des petits chaussons pour le filage euh, aussi parce que j'en avais tricoté des... Euh, des chaussettes en fausse lopi justement, mais elles étaient trop petites et je les ai données à Iris, une amie. Donc, euh, donc maintenant j'en je, je, ai pas. De toute façon, je n'en avais pas parce que les autres étaient trop petites et je les mettais pas. Donc, euh, il fallait bien que je, voilà, que j'agisse. Et maintenant, euh, j'espère que j'arriverai à les feutrer à ma taille. Elles sont vraiment très chouettes, très sympas à faire. Je vous mets le patron euh, sous le lien de la description pour vous montrer ce que c'est. Voilà, c'était vite. <laughs> hum, mais bon, j'ai pas beaucoup de projets. Les autres projets que je vous ai montrés les mois précédents, je les ai pas touchés. Donc, euh, donc voilà. J'ai pas les masques en couture pour vous montrer. Je vais faire du, du reprisage aussi. J'ai trois pantalons à repriser et celui que je porte actuellement a un trou sur, derrière sur les fesses. Donc il faut que je trouve aussi une façon de repriser. D'ailleurs, si vous avez une idée de reprisage, de repriser un trou sur les fesses qui va se voir. Sans que ce soit trop visible, je suis preneuse. Voilà. <laughs> en filage, en filage j'ai euh, un nouveau projet. Alors, désolée pour le bruit. Alors, en filage, je m'organise de la façon suivante. Je vais vous montrer parce que ça vaut la peine. J'ai un sac de filage. De petites moutaines, Melissa, qui est dédiée uniquement au filage parce que c'est un sac filage. Comme vous voyez, il y a le rouet et la laine. Et voilà, donc c'est un super beau sac de petites moutaines. C'est la taille grande, la grande taille. Donc euh, on a largement de quoi mettre beaucoup, beaucoup de choses. Donc dans les sacs de Mélissa, il y a toujours un. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà, il y a toujours une pochette à l'intérieur. Dans cette pochette-là, j'ai mis mon huile de filage pour le rouet. Donc ça, c'est de l'huile qu'on utilise pour, euh, pour les, les parties métalliques, en fait, pour, euh, pour qu'elles tourne bien et tout ça. Donc c'est l'huile de filage de, de Kromski. Et j'ai mis aussi ma poulie. J'ai deux poulies. J'ai ma poulie classique, celle qui vient avec le rouet, et la, et la poulie rapide. J'utilise actuellement, donc je les ai ici parce que, comme ça, quand j'ai envie de faire un projet où je dois changer de poulie, je les ai tout de suite dans mon sac et j'ai pas à me lever à chercher dans mes affaires et tout ça. Donc ça rentre parfaitement dans la petite pochette. Ensuite, dans la poche, dans la grande poche, j'ai des bobines vides. Donc celle-ci elle n'est pas vraiment vide parce que c'est la fin d'un autre projet, donc il faudra que je la vide mais voilà, donc j'ai des, des poulies vides quand j'ai des bobines, par exemple, pas vides. Euh, voilà, quand j'ai un projet, euh, bah, il me faut plusieurs bobines ou quand j'ai envie de commencer un nouveau projet, j'ai une bobine de disponible. Et après, j'ai toujours un sac plastique où je mets, que je réutilise bien sûr à chaque fois, où je mets mon projet en cours. Pourquoi Parce que mon sac est blanc. Et déjà, d'ailleurs, vous le voyez. Il est blanc et la fibre ça se colle à, à tout et du coup voilà si je les mets dans un sac au moins j'évite un peu le voilà mais de toute façon de temps en temps je passe un coup de brosse et comme ça j'enlève la fibre qui est, qui est trop collée euh, qui s'est trop collée à, à mon sac mais bon c'est pas gênant c'est du, du poil d'animal pas c'est pas très grave mais bon j'aime bien quand même avoir ma petite pochette plastique parce qu'en plus comme ça si je mets deux projets en même temps dans mon sac les fibres ne se collent pas entre elles. Et là, je suis en train de filer ceci, donc de la marque, enfin, c'est une teinturière qui a une marque qui s'appelle Hilltop Cloud. C'est une britannique, je sais plus s'il est en Angleterre ou au pays de Galles. Donc c'est Hilltop Cloud. Personnellement, c'est ma teinturière préférée. J'ai déjà j'ai une quantité de pulls de chez elle et c'est le prochain projet que je vais faire après ça. Et en fait, de, la, de ma... Je regarde là parce que c'est là que j'ai mon, mon stash. Mais en film, j'ai tout déstaché, sauf les, choses que, sauf les films coup de cœur total, que je savais que j'allais utiliser et tricoter éventuellement. Donc en gros, il me reste une quantité, deux quantités pulls, euh, dont une teinte à la main par Hilltop Cloud. Euh, une fibre très 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 naturelle, très qui pue, le mouton et deux, trois petites bricoles, mais en gros c'est tout ce qui me reste. Donc euh, voilà donc ce que je suis en train de filer. donc ça c'est des étiquettes, en fait c'est des bracelets de festival de musique. Euh, mais elle met ça pour ses, pour ses films. Donc Utop euh, Cloud et là je fais un, une mèche. Qui est 70% super wash qui est une race de mouton, 15% de soie, 15% nylon, et c'est une mèche de 120 grammes. Donc, ceci va. Je en fait, c'est un gradient, et c'est un gradient qu'elle a divisé en deux. Donc, je vous mettrai des photos. Je vais mieux éditer le podcast cette fois-ci si j'y arrive, mais si je ne mets pas de photos, je vous les mettrai sous le lien de description sur la fiche ravelry du projet parce que j'ai commencé à faire des, des fiches projets aussi pour, le, pour mes projets filage et c'est une fille donc si la mèche c'est une mèche est-ce que j'ai quelque chose ah oui imaginons que la mèche imaginons que ça est une mèche de fibre, et ben pour l'atteindre elle l'a divisée comme ça elle l'a mis en deux comme ça hop et elle a appliqué de la couleur en dégradé d'une un, extrémité à l'autre, donc moi la mienne va du bleu, c'est un bleu gris ciel, euh, clair, marron, bordeaux et bleu marine et du coup quand on a ça, on vient après ici, clac, diviser, on coupe ici, enfin on coupe pas avec un ciseau mais on coupe avec les mains, on détache et on se retrouve avec deux gradients identiques ou quasi identiques pour faire deux choses séparées, non moins par exemple deux chaussettes enfin une paire de chaussettes donc j'ai divisé ma fibre je me retrouve avec les mêmes euh, répétitions de couleurs et je les ai filées sur deux bobines différentes pour faire un fil trois brins avec le fameux à Navarro que je vous ai mentionné tout à l'heure c'est à dire, bon là vous le voyez, donc ça c'est une bobine entière d'une couleur, donc là on voit pas tout le dégradé parce que le dégradé il est à l'intérieur, enfin, là, vous voyez, j'ai passé du Bordeaux et après au Bleu Marine et mon retour Navarro. Donc je vais partir d'un fil, ça c'est mon fil simple, voilà, et avec mon retour Navarro, je vais faire une chaînette et je vais prendre comme ça, hop, comme ça et comme ça et comme ça et je vais le transformer en un fil trois brins. Donc euh, mes chaussettes seront en trois brins. Donc là, j'ai fini ça, euh, je ne sais plus quand, trop. Je vais le laisser se reposer davantage sur la bobine. Je suis en train de, vraiment de finir. Il me, reste, pff, il me reste ça pour finir la deuxième. Je vais les laisser se reposer euh, 48 heures. Parce que les fils, il faut les laisser se reposer un tout petit peu pour qu'ils perdent un peu de la torsion. Et un peu de la tension. Et en fait... Ils ont trop d'énergie quand on vient de défiler, quand on finit de défiler, vous voyez, vous voyez comme ils s'enroulent entre lui, donc il a trop d'énergie et du coup il faut le laisser se reposer un tout petit peu pour euh, voilà pour pour que le fil se détende et après faire le retard. Donc ça, bon, je pense que ça c'est plus de 24 heures qu'il est fini, mais je vais quand même le laisser et je je ferai le retort euh, des deux en même temps, enfin en même temps l'un après l'autre mais sur la même période et comme ça ça me permettra une fois que j'aurai fini la deuxième bobine pas devoir faire le retour de ça mais de pouvoir commencer un autre projet et je pense que je vais commencer ma quantité pub de la même teinturière je vous la recommande vraiment vivement elle fait du super beau travail et elle a l'avantage de travailler des bases qui sont pas si connue que ça, c'est-à-dire que quand on recherche notamment, on a du Merino, du Merino Superwash du Shade des mélanges avec de l'Alpaga ou de la soie, des choses comme ça, mais elle, elle a vraiment des, des mélanges très 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 surprenants elle fait du 100% cachemire, du 100% soie elle fait puis elle n'a pas tout le temps les mêmes choses, donc ça change et moi, euh, j'avais trouvé ça, elle a des updates de temps en temps et tout ça et j'avais acheté ça au mois d'octobre, je pense octobre-novembre euh, voilà donc je, je vous montrerai au fur et à mesure les étapes de, de ça donc ça va être une fois que j'aurai fini ça va être mes prochaines chaussettes qui vont je vais les monter tout de suite tout de suite après j'ai envie de les, de les tricoter rapidement donc euh, c'est un projet euh, c'est un projet à moyen terme <laughs> donc, euh, voilà donc voilà je vous ai montré tout ce que j'avais pour le podcast d'aujourd'hui. Euh, on va passer à la section euh, plan d'action, l'année tricot pour le coronavirus. <laughs> Donc, les personnes qui souhaiteraient euh, s'arrêter ici, il ben, n'y a pas de souci. Je vous souhaite d'excellentes euh, journées créatives, productives si vous êtes en télétravail. Surtout si vous êtes, euh, si vous devez travailler dehors parce que vous êtes infirmière, parce que vous êtes médecin, parce que vous êtes, euh, vous travaillez dans l'alimentaire, dans les pharmacies, tout ça, je vous fais un gros bisou, je vous remercie énormément. Ici à la maison, euh, mon compagnon travaille dans un, centre, un supermarché, donc il est dehors tous les jours, il a un seul jour de pause. Et euh, je suis fière de lui parce qu'il est dans la capacité de pouvoir le faire. Donc, euh, un grand merci, un grand merci. Euh, voilà, et surtout prenez soin de vous. Euh... Voilà, donc pour les personnes qui souhaiteraient continuer euh, avec moi et entendre un tout petit peu du plan d'action que je suis en train de mettre en place pour la boutique, et eh ben restez avec moi. Je vais juste arrêter pour voir si tout se passe bien derrière l'appareil et je reviens. Ouais, ça tourne normalement. Comme j'ai pas mis le, la batterie, j'avais peur que mon téléphone s'éteigne par manque de batterie, mais je pense que c'est bon. Donc euh, la boutique euh, dans la situation actuelle, où est-ce est qu'on est et comment on va comment on va avancer euh, comme vous le savez peut-être déjà, un, une situation de crise économique, sociale euh, comme celle qu'on est en train de vivre actuellement est non seulement inédite, mais euh, très dangereuse pour le futur des petits commerces. Euh, moi, ça m'a fait un très gros coup de panique jeudi dernier. Mais voilà, il faut aller de l'avant, il faut continuer à travailler, il faut continuer à, à lutter. Et à... et il faut prendre sur soi-même pour faire les choses avancer, donc c'est ce que j'ai décidé de faire. J'ai décidé que je continuais à travailler pour la boutique euh, en maintenant de l'espoir, de l'espoir pour pouvoir la maintenir ouverte au plus long, long terme possible, enfin le plus de temps que je pourrais. Euh, la boutique est fermée, bien sûr. Euh, je j'ai mis mon salaire en stand-by, donc j'ai pas de salaire. Par contre, euh, la boutique en ligne reste ouverte. C'est-à-dire, j'ai laissé euh, la boutique en ligne ouverte parce que vous êtes nombreux à vouloir me soutenir et soutenir la boutique et la faire perdurer. Donc il euh, y a des achats, vous pouvez passer des, vous pouvez passer des commandes. Que je fais sortir à compte vraiment compte goutte. J'ai je, je, fait des expéditions lundi, j'en ferai demain parce qu'il faut en plus que j'aille récupérer un colis euh, d'un fournisseur qui est coincé à la poste. Donc euh, de toute façon, il va falloir que, que j'y aille. Donc autant euh, envoyer quelques commandes qui sont déjà prêtes. Vous pouvez, ceci dit, euh, me laisser un petit message sur la commande si vous souhaitez être livré maintenant, enfin, ou je fasse partir votre colis maintenant ou que je le fasse partir, enfin euh, que quand cette situation se sera à peu près débloquée ou qu'on retourne un peu à une vie normale, mais ce sera compté bien dans trois semaines, un mois, parce que je pense pas que la semaine prochaine on sera, on soit encore dans une situation normale. Donc voilà, ça c'est pour la boutique, euh, ça c'est pour la boutique en ligne. J'ai donné l'option à mes élèves mes élèves qui sont en cours avec moi de faire des cours sur Skype, de continuer les cours maintenant de façon individuelle sur Skype pour les aider à, à avancer, à débloquer et à pouvoir tricoter. Euh, le club découverte euh, n'est pas était censé partir cette semaine, il est prêt mais il peut pas. Bah, je veux pas trop mettre en, je ne veux pas saturer la poste, je veux pas sortir dans la rue trop et je veux pas que les facteurs factrices soient mis en risque euh, plus que ce qu'ils sont déjà donc euh, je vais faire les choses avec euh, avec logique et du coup je vais faire très peu d'expéditions donc je pense que je vais en faire une à deux par semaine grand max si j'en fais tout court euh, donc euh, le club découverte, sauf pour les personnes désirant de l'avoir tout de suite, euh, est mis en pause. Tout le monde est prévenu. Euh, je continue à répondre aux mails de façon normale. Je ne réponds pas au téléphone parce que je ne suis pas à la boutique. Donc euh, vous pouvez me contacter exclusivement par mail. Mais je réponds et je travaille tous les jours. Et j'ai mis en place un... une page Patreon. Parce que, euh, bah voilà, pas d'ouverture, pas de chiffre d'affaires, pas de chiffre d'affaires, pas de moyens de payer les factures. Alors certes, le gouvernement a mis en place des suspensions de paiement pendant la période de crise, mais comme on dit en espagnol, e hambre -ham para hoy, oui, para. Non, pam -para j'ai oublié le dicton en espagnol ou quelque chose comme ça donc ça veut dire c'est du pain pour aujourd'hui mais de la faim pour demain dans le sens où oui il y a une suspension de paiement de loyer et tout ça bon, on n'a pas encore de nouvelles pour les loyers, et l'électricité et l'eau mais, mais mon agence comptable ne m'a rien communiqué pour le moment cependant pour la TVA et les impôts euh, tout ce qui est URSAF et compagnie, on peut demander une euh, suspension ou il y a une suspension des ou un retardement des paiements. Par contre, si la situation récupère quelque part une si on récupère quelque part une vie plus ou moins normale, euh, si moi j'accumule mes paiements, je vais devoir... Payer beaucoup de. une grosse somme de choses que j'aurais mis en arrêt pendant très longtemps. Ce qui me met aussi en difficulté. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'aujourd'hui je peux dire Ah bah je paye pas de loyer, je paye pas de ceci, je paye pas de cela, que ça va m'aider à long terme. Ça va m'aider actuellement parce que j'ai pas de rentrée d'argent. Donc forcément, c'est mieux parce que comme ça je peux garder une certaine trésorerie, euh, même pour moi pouvoir en vivre euh, de façon personnelle et me tirer un tout petit salaire pour au moins pouvoir manger, et payer mon loyer, euh, mon loyer de ma maison, de mon appartement, mais euh, cette somme va s'accumuler pendant les semaines, les mois, et si j'ai une trop grosse somme, je vais avoir beaucoup de mal après à, euh, à payer cette somme-là de loyer, de charges, d'impôts et tout ça. Donc euh, il faut que je trouve une certaine, un certain équilibre. Donc je suis encore en train de payer les factures, les dernières factures, j'ai payé la TVA de ce mois-ci, je vais payer le loyer, tout ça, parce que j'ai quand même la trésorerie de ce mois-ci pour le faire, parce que le mois de mars, j'avais fait comme la boutique était ouverte, donc j'avais quand même rentré un petit chiffre d'affaires pour, pour mes charges fixes. Donc je vais régler le mois de mars. Par contre... Il euh, y a encore des choses comme un petit peu de salaire pour moi ou tout ce qui va venir au mois d'avril et mois de mai qui n'est pas réglé, et c'est pour ça que j'ai ouvert une page Patreon. Parce que même si je vais mettre quelque chose en certains y a une chose peut-être en, en report de paiement je vais quand même continuer un tout petit peu à payer parce que je ne veux pas me retrouver avec une trop grosse euh, somme à la fin et travailler uniquement pour payer toutes mes dettes euh, par rapport à l'État ou par rapport à mon propriétaire du local ou par rapport à l'électricité et l'eau. Surtout qu'on passe sur la période estivale et la période estivale c'est là qu'on vend le moins de laine. Donc euh, si encore c'était arrivé... Euh, plus proche de l'automne bah, Ce serait moins gênant parce que, à l'automne Et tout ça bah, tu as en plus de laine Et tu peux, as un plus gros chiffre d'affaires et tu peux payer Les factures plus rapidement Mais là on tombe vraiment sur la période Extra creuse qui sont le mois de juillet Et le mois d'août et du coup bah, Ça va faire accumuler En fait des dettes et je veux pas Être endettée jusqu'à euh, Fin 2021 Donc si je peux travailler et avoir Tous les moyens pour alléger pas faire de, de bénéfices, mais on n'en est pas là. Mais au moins alléger euh, les dettes, ce sera très bien. Donc, je sais que c'est trop technique et ça vous est trop peut-être ennuyeux pour vous et c'est trop lourd à entendre, mais euh, c'est la réalité du moment. Il faut la, il faut la, voilà, c'est comme ça. On peut rien faire d'autre. On est tous dans la même situation d'une façon ou d'une autre. Donc, il faut faire avec. Moi, mon travail me plaît énormément. J'ai beaucoup travaillé pendant trois ans pour euh, pour avoir euh, un salaire euh, qui n'arrive même pas à atteindre le SMIC, mais qui se rapproche euh, ou qui se rapprochait euh, quand même euh, décemment. Donc euh, c'est un peu dommage de, de laisser tous ces trois ans de travail euh, en arrière. Donc voilà. Donc, j'ai décidé d'ouvrir un, un Patreon euh, pour soutenir la boutique, pour vous aider à soutenir la boutique sans devoir forcément acheter du gestache euh, que vous n'allez pas tricoter tout de suite. Vous avez plusieurs moyens actuellement de soutenir la boutique, comme je vous dis, soit en passant des commandes, soit en allant sur Patreon. Sur Patreon, j'ai mis trois échelles. Une échelle à 5 euros, vous allez avoir des avant-premières, des podcasts et euh, accès à tous les posts de Patreon. La cinquième, la... donc ça c'est pour 5 euros. Pour 10 euros, vous avez un autre échelon qui vous permet les mêmes choses que pour l'échelon précédent. Vous avez aussi accès à des petits vlogs que je vais publier de façon hebdomadaire et euh, je ne sais plus quoi ah oui et à, vous avez accès aussi à 15 minutes de rendez-vous personnalisé euh, si jamais vous a, vous savez pas très bien choisir une laine pour un patron ou si vous savez pas comment adapter votre échantillon si vous savez pas comment utiliser harrie des choses comme ça euh où vous avez des questions et personne ne peut vous aider autour de vous, et eh moi, ben, je vous donne la possibilité de sur 15 minutes euh, individualisées par mois de pouvoir le faire avec moi, donc soit par Skype, soit par téléphone. Et sur l'échelon suivant euh, de 20 euros, vous avez accès à tout ça et aussi à des cours et tutoriels euh, mensuels. Donc euh, là, ce mois-ci, je vais faire le stick. Donc il va y avoir stick euh, à la machine à coudre et stick au crochet. Donc, je vais préparer des, des vidéos avec la meilleure qualité possible où je vous donnerai tous les outils, où je vous donnerai tous les moyens pour pouvoir réaliser un stick euh, dans les bonnes conditions et avec les meilleures explications. Donc, dû, je me suis acheté un peu de matériel, enfin, j'avais déjà du matériel d'enregistrement, donc je vais, je vais vraiment prendre le temps de le faire et que ce soit de qualité. Donc, si vous avez envie d'apprendre avec moi et pour un petit prix réduit, parce que normalement les cours euh, de stick et tout ça, c'est une quarantaine d'euros. Bon, certes, on est en live avec la personne, mais là, euh, sur, sur Patreon en plus, vous avez la possibilité de poser des questions et que je vous réponde et tout ça. Donc, c'est vraiment aussi euh, assez suivi, et assez individualisé et assez. Euh Convivial, surtout pour la période où on est où on peut pas se voir de façon physique donc pour 20 euros vous avez accès à ça et à tout le reste de ce que je vous ai mentionné donc je trouve que c'est un bon voilà si c'était une tâche un devoir un, une matière que vous aimeriez vous auriez aimé aborder avant et ben vous avez la possibilité de le faire aussi maintenant avec patreon. Donc, euh, ces cours après, je pense que je les... quand les mois passeront, je les publierai sur mon site et vous pourrez les acheter après euh, pour les regarder. Euh, euh, je verrai comment je fais, quel est, quel est le moyen que je vais utiliser pour mettre ça en marche, en place. Mais euh, vous pourrez avoir assez à ces cours enregistrés. De différentes techniques. Donc, euh, les deux prochains, c'est ben, le stick et le prochain, ce sera la question d'échantillon, comment l'adapter, comment... déjà comment le faire et, et, et la... tout ce qui est autour de l'échantillon, mais aussi comment l'adapter, si j'ai pas le bon échantillon pour le patron, comment je fais euh, Ce genre de questions qui... qui nous tracassent en tant que tricoteuse euh, vont être abordées pour le... le mois prochain. Donc, voilà, ça c'est la nouvelle petite aventure sur laquelle je travaille actuellement. Comme je vous dis, pour me donner tous les moyens et vous donner tous les moyens de sauvegarder euh, l'ANAE euh, et de, voilà, de, de la faire vivre euh, encore et, et pendant encore euh, longtemps, j'ai envie de dire, je sais pas, parce que le futur est incertain, mais au moins le plus longtemps possible. Voilà. Euh, <laughs> Euh, je personnellement j'ai des moments j'ai des hauts et des bas mais en général j'ai la pêche, euh, j'ai le moral. Le plus dur c'est le soir. Parce que voilà parce que je me sens dans une sorte d'irréalité, en fait et le plus dur c'est le soir on cou enfin, entre 20h et minuit quand je vais me coucher. C'est là où pff, la situation me dépasse un peu et, et voilà. Mais sinon, reste de la journée, je vais très bien. Euh, je travaille, je pense à de nouvelles choses, j'essaye de faire vivre mon activité, je, je partage avec vous davantage sur Instagram. Voilà, c'est vraiment l'aspect communauté, l'aspect pouvoir partager, prendre le temps et, et peaufiner aussi les détails de certaines choses que j'avais pas le temps de faire euh, quand j'étais en boutique parce que j'étais tout le temps en train de faire bah oui, machin, le téléphone, l'autre, la cliente, ouais. donc j'étais tout le temps comme ça et il y avait certains aspects que j'avais envie de pouvoir travailler plus lentement et avec plus d'envie et, et tout ça. Donc par exemple les podcasts un peu plus longs ou euh, une installation correcte, pouvoir tester mon micro, enfin des petites choses comme ça toute bête, mais que j'avais juste pas le temps de faire. Donc ça, c'est l'opportunité aussi de prendre le temps pour le faire et, et vous donner euh, le maximum de ce que je peux donner. quoi Donc euh, ça aussi, c'est du positif. Donc euh, je vais bien. Ma famille va bien. Euh, pour le moment, euh, toute ma famille, j'ai une famille très grande, va bien. Donc, euh, donc voilà, on, on est content rien que pour ça. Et finalement, si ce n'est que de rester à la maison, c'est pas si grave, on fera ça le temps qu'il faudra pour retrouver nos vies normales et pour pouvoir aller voir nos familles. Et <laughs> voilà. Euh... Excusez-moi, c'était pas prévu. <laughs> Je voulais juste finir sur une chose qui n'a rien à voir avec le coronavirus ni toutes ces situations-là, mais qui m'a fait de la peine la fois dernière quand j'ai enregistré le podcast. Parce que comme vous le savez et que vous êtes en train de voir, euh, je prends ma boutique, mon travail très à cœur. Et je suis une passionnée de ce que je fais. Je me donne beaucoup de mal pour ma boutique. Et euh, la dernière fois, euh, j'ai passé deux minutes à parler sur le nouvel agencement de la boutique. Parce que si vous vous souvenez, j'avais changé de place. J'avais repris un... Je m'étais mise sur un fauteuil parce que j'étais en train de changer toute l'organisation de la boutique. Et, enfin, pas toutes, mais le deuxième atelier, en fait, je suis en train de le transformer un peu en boutique aussi. Du coup, j'avais acheté des meubles, on avait monté les meubles, on était en train de. Et quand je dis on, c'est mon copain et moi. Et du coup, on était vraiment. Ah bah oui, ça on va être comme ça. L'illusion, le, le, le bonheur de pouvoir faire ça. Euh... Enfin voilà, vraiment ravie, ravie, ravie de, de, de pouvoir vous proposer une boutique, parce que je ne le fais pas que pour moi, je le fais pour mes clientes, et de vous, pouvoir vous proposer une boutique belle, agréable, où on puisse avoir plus de laine encore, parce que c'est quand même une deuxième partie boutique. Donc, enfin voilà, j'étais hyper contente, et il y a quand même quelqu'un qui a réussi à ne pas être empathique et à ne pas voir l'effort que ça me demande. Euh, la joie que ça m'apporte et que je le fais pas que pour moi, que je le fais surtout pour vous et qui m'a laissé un commentaire déjà pas très agréable de par sa forme mais surtout par une man un manque d'empathie et de sympathie totale. C'est quelqu'un qui a laissé un commentaire en disant... Euh, quelque chose comme de la sorte euh, euh, introduction sur le, la mise en place de la boutique trop longue trois points de suspension ou c'était quelque chose en disant euh, bah en fait en gros tu nous emmerdes avec euh, avec ton organisation nous ce qu'on veut savoir c'est euh, ce que tu as tricoté enfin on veut le on veut, je veux le contenu podcast mais je m'en fiche du reste et je suis désolée mais le podcast et le podcast c'est le podcast ne s'appelle pas euh, Anna ou machin ou machin chouette truc, ça s'appelle l'Ana et tricot. Et le podcast s'appelle l'Ana et tricot parce que c'est pas que ce que je tricote moi ou ce que je peux vous présenter de la boutique, mais c'est aussi, aussi la vie de la boutique et ce qu'on construit tous ensemble. Parce que la boutique, c'est pas que moi, la boutique, c'est vous aussi. Vous qui êtes loin qui regardez les podcasts, vous qui êtes mes meilleurs amis et qui, euh, qui venez tous les semaines à la boutique, l'Ana et tricot, c'est nous tous. Nous tous, les 4000 abonnés euh, sur euh, YouTube, les X euh, 1000 abonnés sur, euh, sur Instagram, on est tous ensemble et on fait tous partie de cette aventure et on fait toutes partie et on fait toutes vivre et tous euh, vivre la boutique. Donc euh, je peux comprendre qu'il y ait des parties du podcast qui vous intéressent moins. Je suis totalement euh, d'accord avec ça. Moi-même, quand je regarde des podcasts, il y a des parties qui m'intéressent moins. Et bien si ça ne m'intéresse pas, vous avez la montage d'être sur YouTube. Vous cliquez sur la vidéo, vous glissez le doigt et vous mettez à la minute que vous vous souhaitez y regarder. Donc, moi, il y a des moments sur des podcasts ou sur des vidéos ou sur des films ou sur euh, pff, des monologues de comédiens qui ne me plaisent pas ou qui me plaisent moins ou qui m'ennuient un tout petit peu plus. C'est pas pour autant que je vais laisser un commentaire et encore moins un commentaire désagréable à la personne. La personne est en train d'investir du temps. Pour nous, gratuitement, parce que euh, ne vous trompez pas, moi sur le podcast je gagne presque rien. Je gagne, et je vais être, comme j'ai été transparente pour la boutique, je vais être transparente avec vous pour ça. Je gagne 70 euros tous les 4 mois sur le podcast. Donc en publicité, je gagne 70 euros tous les 4 mois. Donc ça ne me rémunère mais pas du tout le temps que j'ai investi sur le podcast. Certes, je fais le podcast parce que je veux, parce que j'ai envie de transmettre euh, mes savoirs, mes... ce que je tricote, ce que je file, ce que je couds, et aussi la vie de la boutique, et aussi les produits que je rentre. Et, et, et voilà, je le fais parce que je veux, et parce que ça m'amuse, et parce que j'adore faire ça, et que je pense que vous êtes une super communauté, et que, et que vous êtes super encourageants, et que je ne devrais pas me concentrer sur le commentaire négatif. Mais euh, quand même, je trouve que dans la vie. Et surtout dans des moments comme on, on est en train de vivre actuellement, il faut être bienveillant. Il faut être bienveillant, il faut respecter le travail d'autrui, il faut être empathique aussi. Et autant sur un, sur un autre truc de, du podcast, ça m'aurait moins gêné, genre le son est pas très bon, ou la forme aurait un peu moins impacté, mais là, il y avait la forme et le manque d'empathie qui m'ont vraiment, vraiment fait mal au cœur enfin fait mal au cœur qui m'ont vraiment fait mal et ça m'a vraiment touchée parce que je pas je vous parlais quand même de quelque chose qui était tellement important pour moi à ce moment-là, qui m'apportait beaucoup de bonheur, qui m'apportait et qui m'avait coûté très cher parce que acheter des meubles, réorganiser et tout ça, c'est quand même de l'investissement de temps et de l'investissement économique que je pourrais ne pas avoir fait et que j'aurais j'aurais pu garder pour moi. Donc euh, je pense que euh, je pense qu'il faut faire attention aussi à ce qu'on dit. Euh, moi, je j'essaye je, d'être le plus bienveillante et de faire ça le mieux que je peux, franchement. Mais quand il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, vous êtes totalement en liberté de le dire. D'ailleurs, c'est le cas. Mais au moins, dites-le d'une façon euh, où vous gardez une certaine empathie et où vous gardez un certain respect pour le travail des autres. Si le commentaire avait été tourné d'une autre façon, eh ben je l'aurais peut-être moins mal pris. Mais là, franchement, je, ça m'a vraiment, vraiment, fait de la peine. Et, et voilà, je pense que faites attention quand vous dites des choses. En plus, sur Internet, on n'a pas le, on n'a pas la, le, le langage physique. Euh, voilà. Et du coup. Euh, c'était un peu déplacé et c'était pas. Voilà, j'ai tout dit de ce que je devais faire, je devais dire. Enfin, j'ai hésité à vous le transmettre par ici, mais je pense que c'est important aussi. Je pense que. Voilà, euh, c'est important aussi d'avoir le côté. Euh, le chouette côté et le côté aussi réel. Et. Et voilà, donc euh, je pense que c'est... Alors, s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas sur le podcast, c'est ça que je voulais dire, c'est pour ça que je traîne un peu. S'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas de, du podcast, vous êtes totalement en liberté de me le dire. Et je suis preneuse, c'est-à-dire si s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, ou du contenu qui est en trop, ou des côtés techniques qui ne sont pas bien. Dites-le moi, vous pouvez me le dire par mail, par commentaire sur YouTube, par privé sur Instagram, vous avez mille moyens de me le dire, par téléphone, vers la boutique, vous avez tous les moyens de me le dire. Mais je pense qu'on peut le dire gentiment. C'est-à-dire, bah tiens, Anna, euh... enfin, franchement, c'est top, j'adore ton podcast, ou j'aime beaucoup, ou tu, enfin je sais pas, je... je regarde de temps en temps, peu importe, mais dites-le gentiment, ça ne coûte absolument rien cette personne-là aurait, aurait pu me dire coucou Anna ben super merci pour ton podcast et tout le travail que tu fais j'apprécie vraiment et tout par contre euh, l'introduction était peut-être un peu, un peu trop longue sur euh, sur les meubles ça m'intéressait personnellement un peu moins mais autrement ben merci voilà je l'aurais moins, bon, moins bien Moins mal pris, j'aurais dit, bon bah, oui, c'est vrai, j'ai peut-être parlé de ça, mais j'étais trop emballée parce que j'étais contente et tout, mais bon, je ferai attention ou la prochaine fois, machin. Je sais pas, je l'aurais pris différemment, mais là, vraiment, le contexte, c'était trop rude, c'était trop. C'était trop. C'était trop. trop... Euh, donc, du coup, j'ai pas. Comme maintenant, j'arrive pas à, fr... à m'arrêter, je suis désolée, ça fait un peu. Entre la situation et ça, ça fait un gros. Mais. Voilà, c'est important, je voulais le partager avec vous. Euh, autrement, euh, j'ai eu un mauvais commentaire depuis que je fais des, des des. vidéos sur YouTube depuis maintenant presque deux ans. Donc euh, pff, je peux pas me plaindre, euh, franchement, vous êtes au top. Euh, vous êtes euh, trop trop bien. Vous me soutenez comme des... comme des grandes euh, gentilles personnes que vous êtes. Enfin, je suis ravie. Euh, sur Patreon, je ne m'attendais pas à un, à un public aussi nombreux tout de suite. Et, et même si c'est pas suffisant... Encore, ben c'est déjà ça et c'est top. Quoi. Enfin, je ne viendrai pas me plaindre euh, du tout et je suis ravie de faire ça et je suis très contente de pouvoir euh, apporter de, de, du nouveau contenu sur Patreon et sous la forme de Patreon et vous proposer du nouveau contenu aux personnes qui y sont plus loin. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandaient, euh, ouais, mais est-ce que tu peux pas faire des tutos, ouais, est-ce que tu peux pas faire des vidéos, ouais, est-ce que tu peux pas faire des cours en ligne Et bien, je ne pouvais pas, mais maintenant j'ai l'opportunité de m'y mettre et, et de vous le proposer et, et du coup, c'est top. Donc euh, vous êtes génial, vous êtes génial, euh, je suis hyper reconnaissante et je pense qu'on va tous en sortir. Je garde de l'espoir et vraiment je vous remercie du fond du cœur. Je veux pas que ce podcast finisse par une note euh, lourde ou pesante. Au contraire, je souhaitais vous remercier énormément pour, euh, pour tout. Et on se voit la semaine prochaine. <laughs> je vous promets qu'il y aura que du tricot et que de belles choses et pas euh, de critiques. Euh, voilà, voilà. Donc euh, voilà. Laissez-moi vos commentaires. Laissez-moi vos opinions. Laissez-moi vos retours. Il n'y a aucun souci. Mais faites-le avec la même bienveillance que je pense que je vous apporte avec le podcast et avec euh, voilà. Et c'est sûr, personne n'est parfait et personne n'est parfait. Mais voilà, je pense que on est ici pour des choses sympas. Donc euh... Donc voilà, je vous embrasserai fort, je vous dis à la semaine prochaine. Salut et merci beaucoup.